Salut tout le monde, c'est Eden et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une nouvelle série de défis que je lance sur ma chaîne. Une nouvelle série de défis sur Call of Duty Ghost et plus particulièrement en zone de largage. Et cette série s'appellera donc la zone Eden. Alors la zone Eden, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est très simple, le but étant de faire le plus gros score des deux équipes en zone de largage donc. Et bien évidemment au sniper. Alors, je vais vous donner les conditions tout de suite. Mais je dis tout de suite, je ne veux pas de sniper automatique parce que je vois que ça en zone de largage. Alors que moi, je me fais littéralement chier au sniper à verrou. Et c'est là la difficulté, c'est que je veux vraiment que vous ressentiez la difficulté de la chose. Je veux que vous le fassiez au sniper à verrou. Alors que ce soit USR ou L115. Mais surtout pas de semi-automatique. Donc, les conditions, il faut faire, enfin le but étant de faire le maximum de kills des deux équipes, pas seulement de la vôtre et également celle de l'équipe adverse. Donc si vous faites du 50, 50 je sais pas au hasard du 50-25 par exemple, il faut que ce soit en dessous dans votre équipe ainsi que dans celle adverse. Il faut que votre score soit positif. C'est pour faire du 50-70, bon. Pas la peine hein. Du positif pardon du positif la classe vous faites comme vous voulez. Alors les accessoires c'est du thermique ou pas, c'est comme vous voulez. Moi je fais du thermique parce que je trouve ça je trouve que j'ai une meilleure précision avec, donc ça tient qu'à moi. Mais après vous faites comme vous voulez, les accessoires comme vous voulez, la classe comme vous voulez, les atouts ce que vous voulez aussi. Et puis c'est tout je pense, il n'y a pas besoin de grand chose. Juste le sniper et tout ce que je vous ai dit. Donc, ce message, enfin, surtout cette vidéo s'adresse aux gens qui ont la possibilité de filmer en HD et qui peuvent m'envoyer leur gameplay par YouTube en message privé. Parce que si vous n'avez pas de rec, bon, ça sert un peu à rien, hein, faire un score et pas me montrer, bon. Parce que je vois déjà les mecs mettre en commentaire et sur Twitter: ah oui, je t'ai battu. Ouais, mais tant que j'ai pas de preuves, moi ça me va pas. Donc bon. Donc pour tous ceux qui peuvent filmer, cette vidéo s'adresse à vous. Vous pouvez tout m'envoyer par message et uniquement par message privé YouTube. Et chaque fois que mon record sera battu, je sortirai, enfin pas direct, peut-être pas directement après, mais je sortirai un nouvel épisode. Et dès que le nouvel épisode sort, on laisse tomber l'ancien défi, on s'occupe du nouveau et on s'y met pour le battre. On oublie l'ancien. Donc, excusez-moi si je suis un peu malade. J'espère que cette série vous plaira. J'espère que ça vous plaira de le faire, d'essayer de le battre et de vous y mettre à fond. Exceptionnellement, il n'y aura pas de vidéo mercredi. Je devais sortir une nouvelle vidéo, mais je dois travailler encore sur la vidéo 1000 abonnés qui sortira. Comme elle ne sortira pas ce samedi-là, elle sortira samedi prochain. Parce que j'ai déjà l'idée, et je sais ce que je vais faire, je sais que ça vous plaira, parce que je sais que la majorité d'entre vous me l'avez demandé. Donc je vais le faire. Je vous ne dis pas ce que c'est, bien évidemment, pardon. Mais je le ferai, je la sortirai samedi prochain. Je dois faire le montage et tout ça, je dois tout faire, donc ça va me prendre un peu de temps. Donc je ne sortirai pas de vidéo mercredi. Mais voilà, vous pouvez toujours me proposer des défis FPS, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant. Je sais pas si vous manquez d'idées ou si l'idée ne vous plaît pas, mais j'attends toujours vos défis en FPS. Et donc voilà, la zone Eden, c'est le premier épisode se lance aujourd'hui avec cette vidéo. J'ai sorti pas mal d'autres gameplay, hein. Ils sont tous bien de choses, inquiétez pas, sinon je sortirai pas une série si j'avais qu'un seul épisode. Mais le premier épisode c'est aujourd'hui. Je vous ai mis un, combien de kills j'ai fait? Je dois faire du cul. Je commence doucement avec un petit 42, 29. C'est loin d'être exceptionnel, c'est loin d'être difficile à me battre surtout. J'ai fait beaucoup mieux, mais je le garde évidemment pour la fin. Je vais pas vous mettre un trop gros score dès le début pour voir un peu votre niveau et pour vous montrer que je peux faire beaucoup beaucoup mieux.
Pendant la vidéo de l'Open Lobby de la dernière fois sur BO2, j'ai vu que mes abonnés étaient vraiment pas mal, mais vraiment pas mal au sniper. Sur BO2, je pense que sur Ghost, ça doit être pas mal aussi. Donc je compte sur vous, je sais que vous pouvez me battre, je vous ai pas mis un trop gros score exprès pour voir votre niveau, et je sais que vous pouvez me battre, donc je veux le voir. Je veux voir vos gameplays sur YouTube, dans mes messages privés, je veux voir tout ça. Je veux voir votre niveau et je sais que vous en êtes capable. Donc j'en ai fait pas mal d'autres gameplays, mais il y a vraiment beaucoup beaucoup plus de kills que ceux-là. Le but étant de faire évidemment le max de kills, et je pense arrêter la série si un jour on arrive autour des 80-90 kills. Peut-être 100, on sait pas, hein. Il y a des petits foufous, hein. Mais on sait pas. Peut-être les 100 kills un jour, on verra bien. Et je sais que, enfin, moi je pense pas en être capable. Si je m'investis à fond, peut-être, mais on verra bien au fur et à mesure si tout le monde s'y met. Si tout le monde essaie de battre le record, on verra bien. C'est pas vraiment une vraie compétition, c'est pas celui qui sera le meilleur et tout ça. C'est juste pour montrer de quoi je suis capable, et pour montrer pour que vous puissiez me montrer vous aussi que vous avez du niveau et que vous n'êtes pas abonné pour rien, que vous êtes des vrais abonnés, que vous aimez vraiment le FPS, le vrai Call of, et que vous aimez la compétition. Mais c'est avant tout de l'amusement, c'est avant tout un jeu, et on est là vraiment pour s'amuser. Et qui bat qui, on s'en fout un peu, c'est juste histoire de réaliser un petit record, on va dire. Donc voilà, la zone Eden, tout est présenté, je compte sur vous. Je compte sur vous pour faire un max de vidéos pour essayer de le battre. J'espère en tout cas que vous réussirez, je sais que vous en êtes capable, donc je compte sur vous. Voilà, je vous ai tout dit, je pense. Je regarde ma fiche habituelle. J'ai tout fait, Maxime. Oui, j'ai tout fait. Donc, il va falloir que je finisse de vous commenter le gameplay, sachant que je n'ai pas de son, donc c'est un peu dégueulasse pour commenter. Je sais pas, moi je trouve ça bizarre de commenter un truc sans son, ça fait bizarre. Véronique, hein? Arrêtez. Oubliez cette blague, c'était pourri. Alors, où j'en suis? J'en suis à combien de kills? J'ai ma fiche devant, donc évidemment je vois rien. 34-21. Sachant que je fais du 42-29, je crois. Oh, putain, je vais me faire démonter, je pense. Ah, parce qu'il y a un joueur aussi en face, si vous voyez bien, au VKS, qui était vraiment pas mal, qui m'a vraiment posé souci pendant toute la partie. Mais bon, c'est pour ça que je veux absolument pas. Oh, la petite collate. Oh, que c'est magnifique! Je ne veux pas de. C'est pour ça que je veux pas de sniper automatique. Parce que, évidemment, le VKS. J'ai vu des mecs au VKS, au Lynx, au Maverick. En zone de largage, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Parce que les joueurs sont tous au même endroit, tous regroupés, soit allongés, mais en petit. J'allais dire en petit comité. Non, mais dans un petit périmètre. Et donc l'automatique, on a juste à mitrailler sur chacun et ça va beaucoup plus vite. Mais bon, c'est vraiment moins beau et c'est jouer la facilité. Et vous savez très bien que moi j'aime la difficulté, j'aime et puis j'adore l'USR. Donc je voulais vraiment que vous utilisiez l'USR pour montrer la difficulté de la chose. Ce qui n'est vraiment, vraiment pas simple comparé au automatique. Les gens disent beaucoup, oui c'est beaucoup plus simple au sniper, ça tue en une balle et tout ça. Je peux vous dire, moi qui suis sniper depuis pas mal d'années et Ghost depuis le début de la sortie du jeu, je peux vous dire que Ghost c'est le Call of le plus dur à s'adapter niveau sniper. Même si au bout d'un moment, une fois qu'on s'y est fait, c'est vachement plus simple, ça rentre tout seul, mais il y a vraiment un gros gros temps d'adaptation pour ce Call of. Et c'est loin d'être aussi facile qu'on peut le dire. Ça a l'air simple quand on regarde, bah mes gameplays c'est loin d'être exceptionnel, mais quand on regarde d'autres gameplays de gros snipers et tout ça, on a l'impression que c'est simple de rentrer des feeds, de faire des gros gameplays au sniper, mais c'est vraiment loin d'être le cas. C'est vraiment vraiment difficile, donc je veux vraiment que vous insistiez sur l'USR ou le L115 comme vous voulez, je sais pas lequel vous maîtrisez le mieux, mais je veux bien que vous vous rendiez compte de la difficulté de la... Oula, je vais y arriver! De la difficulté de la chose.
Parce que le sniper manuel, enfin le sniper verrou, c'est vraiment difficile. Donc voilà, 41-29. Je vous ai dit, je commençais avec un petit score. Et je vous assure que j'ai fait beaucoup mieux. Donc je vous réserve ça pour la suite. Donc voilà, ça s'arrête ici. Je vous dis bonne chance pour les défis. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.